Il s'agit de Frésia, qui fait consonner le 8 mars. Encore une fille de Kerguez-des-Landes, décidément. Omniprésent, Kerguez-des-Landes. Là, on trouve la souche, des taux de sa souche d'origine, celle qui descend. De favoriser la jument à la première jument achetée par le grand-père de Patrick Dalzac, qui a fait forest du côté de la Devezville. Oui, parce qu'il y a la Devezville et la Devez-Campagne aussi, je pense. Pas la ville qui se compose de trois maisons, du Cars. Et François de la Mer, qui a remporté trois courses dans les prix du supérieur régional d'Aquitaine à Agen. La famille, donc, c'est toujours, on retrouve un Fofolle, la sorbet formée, furie, fracassée, frappée, folle, flinguée, effêlée, tout presque entrée par la ville de Thomas de Wolk, toujours de très grande place. Folle, le phare d'Orly, à la mer. Nous présentons ici son quatrième produit. Le premier, c'est le Aline. Là, la maison, l'origine américaine, vous avez la montre, elle est toujours par défaut, mais la Aline. Le premier, donc, fondant du Pécos. A remporté 4 succès avant d'être exporté en Italie. Le pays. Chaque victoire en Italie a plus de succès en France. Donc l'Italie, le pays hôte, le pays invité, le pays à la demande de cette édition 2020 du Grand Show Anglo. Vous avez pu profiter d'une pénitence italienne avec le grand titre de l'Allemagne hier soir dans cette soirée. Dans cette folle soirée, en hommage au nom de la mer, le numéro 30, donc Frésia, du Pécos, 51,87% de son. Voilà.